Bonjour et bienvenue sur Scooter et Mécaboîte, la chaîne YouTube où on n'en finit pas de travailler sur une moto bécane. Alors je dis ça parce que je collectionne les emmerdes là depuis quelque temps, depuis la remise en route. Euh, j'avais déjà fait un épisode sur, où j'expliquais que j'avais eu un problème d'éclairage sur la 89. J'ai réparé et. Ça a recommencé. Donc, en fait, le problème vient <coughs> tout simplement d'un truc con. Le fil qui part de la bobine d'éclairage jusqu'au régulateur se débranche. Enfin, se dessoude. Pourquoi? Pour un truc con. Déjà, deux trucs cons. L'étain. On a, maintenant, l'étain qu'on a, il n'y a plus de plomb dedans. Donc, la résistance à la chaleur. Et moins importante, moi j'utilise de l'étain à 50% d'étain. Après je sais plus combien de pourcents qu'il y a d'autres de, choses dedans. Mais il y a 50% d'étain dedans. Euh, C'est de la 1,5 mm. Euh, résistance mécanique 5 kg. Par mètre cube. Qualité étain, première fusion. Euh, voilà. L'idéal aurait été de l'étain à base de plomb. Ça tient mieux à la température. Euh, ça, c'est le premier problème. Le deuxième vient tout simplement de la bobine. Donc là, j'ai monté une vraie bobine d'éclairage Moriyama. Il y a un petit trou. Enfin, il y a un trou dans le, la première patte de fixation où on permet de passer le fil. Et après, il y a une encoche où on vient reposer le fil dessus. Chose qu'il n'y a pas sur celle-là. Alors déjà, il n'y a pas ça. Les pattes euh, sont très 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 fines. Dès qu'on commence à souder dessus, euh, ça ramollit. Le plastique est tellement de qualité que le plastique se ramollit. Et je pense d'ailleurs que c'est ça qui doit se passer. Ce n'est pas vraiment la bobine le problème. Le problème c'est tout simplement le plastique qui est tellement de la grosse merde que bah, en fait, euh, ils font comme à rien. Vous allez me dire ouais mais c'est du plastique ouais sauf que j'ai pas eu ce problème-là avec la Moriyama donc euh, allumage lotaire, je le déconseille <laughs> faut savoir que cet allumage-là je l'ai reçu la platine était cassée je l'ai renvoyé ils m'ont renvoyé une platine donc même pas avec les bobines hein. ils m'ont renvoyé une platine il a fallu que je remonte les bobines dessus et là maintenant ce problème-là j'en avais marre de mon allumage interrupteur parce que j'étais tout le temps emmerdé avec l'allumage celui-là commence à me casser les couilles parce que je suis tout le temps emmerdé avec l'éclairage, par contre. Donc, je pense que la solution qui va se passer, elle va être radicale. J'ai un vrai Moriyama là, <coughs> sauf qu'il n'est pas en très bon état, il a, il a trempé dans la flotte et tout. Donc, euh, voilà, il hein. est juste en donneur de pièces et puis c'est tout. Mais je vais trouver un véritable allumage Moriyama d'époque. En occasion, parce qu'en neuf, c'est mort. Mais je vais essayer d'en choper un véritable. Je vais... Les merdes là adaptables de mes couilles, un peu comme le plateau euh, de la 89 que j'avais commandé euh, sur RRD Préparation. Donc, ils y sont pas rien. C'est les fabricants qui nous font de la merde. Parce qu'on voilà, tout simplement. J'avais acheté un plateau CGN. Chez RRD Préparation, le bouton verrouillage avait explosé, bien entendu, en roulant. Forcément, si on c'est pas drôle. Donc du coup, je ne pouvais pas rouler parce que bah, le verrouillage ne se faisait plus. J'étais en mode vélo. Du coup, c'est un, un petit pépé, euh, là où j'étais tombé en panne, qui m'a passé un boulon et tout ça pour pouvoir bloquer, pour pouvoir rentrer. J'ai euh, contacté RR des préparations en leur expliquant le problème. Ils m'ont dit, vous nous renvoyez le plateau, on vous en renvoie un. Donc, je crois que c'est... Euh, non. Il m'a dit qu'il me renvoyait directement un plateau. Je crois que je n'avais même pas renvoyé le vieux. L'autre, je l'ai reçu. Le verrouillage, il a tenu. Par contre, le plateau... Il bougeait dans tous les sens. C'est d'ailleurs pour ça que sur la 89 actuellement, j'ai remonté un plateau d'époque. <coughs> ça, c'est les fabricants. Il ne faut pas mettre ça sur le dos des sites internet, des vendeurs ou quoi que ce soit. Les sites internet comme les vendeurs, c'est quoi va dire, ils sont juste là pour vendre. Eux, ils ne sont pas dans la pièce. Mais les fabricants, ça fait quelques années là, que c'est la merde. Sauf que, bah, d'après ce que je suis en train de me rendre compte, c'est que plus ça va, et pire ça devient. Pire ça devient. Vous prenez le carbu SHA 15 que j'avais monté. Impossible de le faire tenir sur la machine, hein, même en serrant comme un baiser, en le modifiant quoi que ce soit. <laughs> Rien à faire. Tandis que le carbu que j'avais monté dans les débuts, c'était un carbu SHA de 15 d'il y a plus de 15 ans. Pas de problème. Donc en fait, c'est qu'on veut plus fabriquer les pièces correctement. C'est pour ça que le PHBG, il tient. Et encore, le PHBG, j'ai quand même eu des couilles hein, au départ. La bague, il euh, y avait un défaut il a fallu que je la change. Enfin, bref, donc voilà, voilà tout ça pour dire achetez pas d'allumage lotaire si vous voulez un allumage électronique pour vos motobécans, euh, Bah, soit vous trouvez un Moriyama d'époque, ou sinon, bah, vous essayez d'adapter un allumage MVT. Mais je pense que dans si j'arrive pas à trouver de Moriyama, je pense que ce qui risque de se passer, c'est que je lui foute un allumage MVT dessus. Le problème, ça va être pour fixer le CDI ou ça va être copieux. Et j'espère surtout que je peux conserver la bobine d'allumage haute tension qui est sous le réservoir d'origine. Ça, c'est moins sûr, parce que normalement, c'est une bobine reste une bobine. Mais le problème, c'est que ce n'est pas les mêmes euh, tensions au niveau bougie. Donc est-ce que ça va tenir Ça, on n'en sait rien. Là, du coup, bon, j'ai changé la bobine, elle est soudée, vissée et tout. Donc euh, comme j'ai dit, c'est une véritable Moriama que j'ai montée. On verra bien si ça tient. Et j'espère cette fois. Allez sur ce, on se dit à une prochaine.